Chut! Est-ce que vous pouvez voir le nœud en ce moment? Ok, c'est-tu ça pour vrai la coiffure finale? C'est magnifique! J'espère que vous allez bien. Dans le fond, dans la vie en général, je suis une fille qui n'est pas très originale pour ce qui est du outfit, du maquillage. En fait, je suis pas très bonne. Mais il y a une autre chose aussi que je suis pas très douée dans la vie, et c'est les coiffures. Enfin, dans le fond, comme vidéo aujourd'hui, vous l'avez sûrement deviné par le titre, puis ben, c'est que je vais reproduire des coiffures que je vois sur YouTube, sur Pinterest, un peu partout. Tu sais, ils disent tous que c'est bien facile, easy, ça se fait en 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes, 1.4 secondes, bref. Ils disent que c'est vraiment facile à faire ces coiffures-là. Puis ben moi pis mon incompétence en coiffure, je me suis dit « Ah, ça pourrait être une très bonne idée d'essayer de les reproduire. » Puis ben de voir si ça marche pour vrai ou non. Ou si ça me prend une heure à faire une maudite coiffure, t'sais. Fait qu'avant de commencer la vidéo, ben je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour avoir plus de contenu comme ça. À cliquer sur la petite cloche de notification. Puis ça, dans le fond, ça va juste te dire que Sarah tout simplement a publié une nouvelle vidéo. À faire un thumbs up pour m'encourager parce qu'on va s'entendre que je vais avoir besoin de courage à faire ces coiffures-là parce que c'est ça, hein, je suis pas très bonne en coiffure. Donc sans plus attendre, ben on va commencer la vidéo maintenant. Blaze. Yeah. Bon, j'ai finalement fini par trouver une youtubeuse qui faisait des coiffures parce qu'on va s'entendre qu'il y en a des tonnes. Puis ben j'ai trouvé DCC Back to School et machin hairstyle 2-4 minutes. Parce que ça dit que pour chaque coiffeur, ça nous prendrait 2 à 4 minutes faire ça. Ouais. Juste détacher mes cheveux, c'est un struggle. Ah! Bon, après une partie de ses cheveux, comme ça. Oh shit, ok, je comprends rien, mais bon, on va voir qu'est-ce qu'elle dit. Voyons. 2000 years later. Bon, on va y arriver un jour, là, mais que ça fasse 3 ans. Là. Eventually. Sûrement. Oh! Ok. And this is what you are left with, but one thing that I do is I pull at the braid. Ok, mais t'as pas mis d'élastique, c'est un petit. Ok, c'est ça pour vrai la coiffure finale? Bon, je suis retournée à ma chambre pour que vous puissiez voir le résultat final des finales des finales. Puis, c'est ça. Sa coiffure. Pourquoi elle, elle a l'air belle, puis il y a moi, genre? C'est ça pour la première coiffure. Wow. Ok, on va passer à la deuxième coiffure. It's Blaze. Yeah. This one here is the, probably the quickest test one that you do. So I'm putting my hair back. Ok, après c'est les cheveux de même. Il a fait des guidis ici. Il a fait un petit guidis ici, mais le petit guidis est déjà là. Avec... D'accord. Back up and pulling out some of the strands at the front to make them look. Ok, là, elle ne fait pas trop, elle sert de là qu'elle l'attache. Attends. Ok, au début, quand on attachait genre juste le toupet avec les petites couettes comme qui dépassaient, j'étais comme ça peut faire du bon sens. Mais là, il y a elle que c'est full beau, puis il y a moi. Voici le dos dans 3, 2, 1, maintenant. C'est hot, hein? It's Blaze. Yeah. The next one is more of an edgy look. So what I'm doing here is I'm taking a rectangle shape. C'est un edgy look. On va y aller avec le edgylook.com. Let's go. Ok, on fait un rectangle. I'm keeping that aside and then I am tying the rest of my hair back so it's out of the way. Donc,
mets ça par en bas. Puis là, comme Kara dit, avant que ça prenne 40 000 ans, que moi j'associe qu'il faut mettre ça en avant, puis pour, comment qu'elle fait pour que ça tienne, mais on va dire que ça tient. Là, elle veut qu'on attache le bout en arrière. On va attacher ça comme ça. Elle veut qu'on fasse une tresse. Ok, on va faire une petite tresse. Encore une fois, les tresses, c'est toujours winner avec Sarah Maud, hein? Toujours. Ah, ah, ah. Oh shit. Bon. Pourquoi toutes les brosses me lâchent? C'est bien compliqué. Comment tu veux que je fasse une tresse sur mon toupette? Au, au. Je suis vraiment désolée que ma caméra elle a lâché. Fait que ça a comme skip un peu la vidéo. Fait qu'on va continuer. Bah. Hop, ça. Ok. Ok, puis là. Donc là, on est dans ma chambre parce que c'est tout le temps le meilleur lightning. C'est ça que ça donne. Ouais. C'est beau. J'ai fait mon possible, ok, ça doit m'avoir pris une maudite bonne demi-heure à avoir essayé que ça donne quelque chose. Mais ça a juste rien. Ça a rien donné, ok, ça le flop, ok. Fait que je peux défaire ça, puis merci, bonsoir, ok. Donc c'est vraiment ça qui va conclure la vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Puis si ça vous tente de voir d'autres genres de vidéos comme ça, ben dites-moi le dans les commentaires, puis ça va me faire plaisir d'y refaire. Donc merci beaucoup d'avoir regardé, et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Salut! Boom!